impossible de nager 100 mètres sans être complètement à bout de souffle. Pas de souci, aujourd'hui, on te partage 3 points qui sont absolument cruciaux pour te permettre d'enchaîner les longueurs. Même si tu as les poumons d'un fumeur, si tu es raide comme un tronc d'arbre et même si tu as le cardio d'un centenaire. Avec au menu de la vidéo d'aujourd'hui, la règle de 3 pour améliorer ton alignement et maintenir ton horizontalité, la position latérale de sécurité en natation, et on va voir également comment te propulser efficacement sans dépenser de l'énergie. T'es prêt? C'est parti! Alors la toute première chose à faire absolument pour appréhender la glisse, c'est la notion de s'étirer. Tu dois chercher à t'allonger au maximum dans l'eau. Ça veut dire que tu dois chercher à t'étirer le plus possible du bout de tes orteils jusqu'au bout de tes doigts à l'opposé. Car naturellement, ton corps a tendance à aller en position verticale. Nous, ce qu'on veut, c'est être le plus à l'horizontale possible. Et comme je t'en fais la démonstration dans cette vidéo, moi, je suis comme toi, tu vois, quand j'essaye de m'allonger à l'horizontale, naturellement, j'ai les jambes qui coulent parce que mon centre de gravité, il se situe plutôt au niveau de mon bassin, alors que mon centre de flottaison, bien, ce sont, comme pour toi, des poumons donc, qui se situent plus haut au niveau de la poitrine. Et c'est ce qui entraîne naturellement cette position verticale que cherche à prendre notre corps. Le second point, c'est d'orienter ton regard vers le fond. Et si on copie les champions, si on s'inspire des meilleurs, parce que c'est une croyance populaire qu'il faut absolument s'inspirer de ce qui se fait le mieux, si tu regardes les champions, ils ne regardent pas forcément parfaitement à l'horizontale. Ils regardent légèrement vers l'avant et même peut-être parfois beaucoup plus vers l'avant que ce qu'on peut recommander. Mais les champions, ils ne sont pas comme toi et moi. Ils ont des capacités de flottaison, ils ont déjà une excellente vitesse. Et donc, ce qui s'applique aux champions ne s'implique pas nécessairement à toi. Toi, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut absolument orienter le regard vers le fond ou très légèrement vers l'avant, comme on a pu en parler dans cette vidéo. Alors, on vient de voir ensemble les deux premiers points pour appréhender la glisse, c'est-à-dire chercher à se grandir au maximum, orienter ton regard vers le fond pour éviter que ton bassin il s'enfonce sous l'eau et donc avoir à traîner tes jambes derrière toi. Le troisième point qui est essentiel, c'est celui de la position hydrodynamique. Et concrètement, qu'est-ce que c'est cette fameuse position hydrodynamique? Le plus simple pour te l'expliquer et t'aider à te le représenter, c'est de t'imaginer avoir à glisser dans un tube. Tu es dans l'eau, tu cherches à glisser dans un tube et plus tu vas glisser dans un tube qui est étroit et moins tu vas créer et engendrer de résistance à l'avancement. Et avec cette notion de tube, tu comprends très simplement et très rapidement qu'avoir les jambes qui coulent ou bien relever la tête pour regarder devant ne te permettent pas de glisser dans un tube qui est le plus étroit possible. En début de vidéo, je t'ai parlé de la position latérale de sécurité en natation. La plus grande difficulté que tu peux peut-être rencontrer, ou en tout cas c'est celle qu'on lit très souvent dans les commentaires sur YouTube ou sur Facebook, c'est la difficulté à respirer, pouvoir prendre de l'air sans s'épuiser totalement. Et le plus simple, lorsque tu débutes, c'est simplement de basculer sur le dos. Car flotter sur le dos te permet d'être à la surface sans aucun effort. Et même si tes jambes coulent un peu, voire même beaucoup, ton visage, il peut rester en dehors de l'eau et tu peux respirer librement. Il y a donc trois bénéfices majeurs à te retourner sur le dos au moment de respirer lorsque tu débutes. D'abord, c'est une position qui est sécuritaire. Pour toi, c'est rassurant de savoir que même s'il y a 12,50 m devant toi et 12,50 m derrière toi et qu'il n'y a nulle part où s'accrocher ni de matériel, tu peux simplement te retourner pour respirer et reprendre ton air. Et avoir avec toi ce sentiment de sécurité va te permettre d'être moins crispé lorsque tu nages. Et la crispation, c'est un des pires ennemis lorsqu'on débute. On en a parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo. Les deux autres avantages de respirer sur le dos lorsque tu débutes en crawl, d'abord, c'est de pouvoir refaire le plein d'air, le plein d'oxygène, et le deuxième, c'est de pouvoir te reposer. Car même si ce n'est pas, à proprement parler, la bonne technique, la technique juste et idéale pour nager un crawl efficace, c'est une adaptation qui, dans un premier temps, va te permettre
si tu n'as pas une technique qui est très en place, de pouvoir souffler, de pouvoir éventuellement faire une pause, refaire le plein d'oxygène, te relâcher un petit peu et puis te reconcentrer pour repartir vers l'avant et ne pas entrer dans cette espèce de phase de survie, de se battre dans l'eau pour arriver le plus vite possible de l'autre côté. On en vient maintenant à la propulsion. Et avec la propulsion, il y a trois règles fondamentales que tu dois absolument respecter. D'abord, la propulsion, elle s'effectue avec les bras et non pas avec les jambes. Ça veut dire que pour te déplacer, il faut d'abord tirer, puis pousser sur l'eau avec les bras afin de te projeter vers l'avant. Et la difficulté avec l'eau, c'est que ce n'est pas un appui solide. Lorsque tu vas débuter et que tu vas chercher à te propulser en appuyant sur l'eau, tu vas avoir peut-être l'impression de pousser dans le vide, de ne rien ressentir. Au contraire, lorsque tu progresses, lorsque tu deviens de plus en plus efficace, tu vas sentir l'appui à la fois sur tes mains et à la fois sur tes avant-bras. Pour résumer et pour faire au plus simple, plus c'est dur d'appuyer sur l'eau, plus tu ressens de résistance et mieux c'est. Ça veut dire que tu maîtrises bien tes appuis sur l'eau. Si tu veux en savoir plus, on a déjà fait une vidéo sur ce que tu dois faire avec tes mains en crawl. On vient de voir les bras et tes battements dans tout ça. Alors les battements, quand on débute, c'est très simple. Il faut en faire le minimum. Car puisque tu débutes, par conséquent, tes battements ne sont pas forcément très efficaces. Tu vas donc dépenser beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Or, les battements, c'est très énergivore. Donc ton énergie, tu dois absolument la garder précieusement, l'économiser au maximum pour te propulser avec tes bras. Ainsi, la méthode traditionnelle qui est de prendre la planche et de faire des battements jusqu'à ce que tu finisses par avancer lorsque tu débutes n'est pas forcément très efficace. Enfin, le dernier point est peut-être le conseil le plus important. Si tu veux nager longtemps, tu dois résister. Résiste ! Car avec la fatigue qui monte après quelques mètres, ton désir de toucher le mur qui est en face devient absolument brûlant. Tu te dis « Allez, je me dépêche, j'accélère. » Et à ce moment-là, tu commences à te précipiter. Ton pouls également s'accélère. Tu sens l'oxygène manquer dans tes poumons. Tu te dépêches, tu accélères à nouveau et tu montes en crispation. Ton essoufflement finalement devient encore plus grand. Or dans ce cas, le meilleur moyen de résister au côté obscur It is pointless to resist. Est quelque chose de totalement contre-intuitif. Tu dois ralentir. Tu dois prendre ton temps pour arriver au mur plus doucement. Car ralentir va te permettre de ne pas t'essouffler aussi vite en dépensant de l'énergie inutilement. Comme le dit l'adage, rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point. Et si aujourd'hui tu ne parviens toujours pas à enchaîner 100 mètres ou 200 mètres ou même 25 mètres en crawl sans t'essouffler, je te partage l'histoire d'une ancienne aquaphobe qui a aujourd'hui vaincu sa peur de l'eau, qui est capable d'enchaîner longueur à tel point qu'elle a même décidé de présenter le BNSSA. Clique juste en dessous pour recevoir cette série de conseils par email.